On est la dernière roue du carrosse. Voilà aussi pourquoi en Auvergne. En Auvergne, ce sont les cheminots qui ont fait l'actualité ce jeudi. Alors que la grève à la SNCF s'achève en France, eux ont décidé de poursuivre le mouvement. Ils étaient 300 ce matin à manifester devant la direction régionale à Clermont-Ferrand à l'appel de trois organisations syndicales. On a eu un quart de l'effectif cheminot qui n'a pas été remplacé ces 5 dernières années, donc 1000 emplois supprimés. Et puis on a également le fret avec l'opérateur ferroviaire de proximité, une structure privée qui viendrait capter les trafics assurés par la SNCF. Cela avancé, en début d'après-midi, les grévistes ont réussi à obtenir un nouveau rendez-vous avec leur direction. L'entreprise nous propose de donner une suite à la négociation qui a été infructueuse autour du mercredi 28. Le mouvement a été suspendu, même si le préavis de grève court toujours. Retour progressif à la normale à partir de demain. 90% des TER et 100% des Clermont-Paris seront assurés, selon la direction.